partenaire de vos amis sportifs, la Ligue des Légions et ses éducateurs, s'active pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Nando Bottila et aujourd'hui je vous propose un jeu pour les enfants, mais pourquoi pas les parents aussi et ou les adultes peuvent participer. Donc, on a besoin d'une corde, si on a la maison. Si on n'a pas la maison, on peut trouver un vieux câble, une ficelle, et si cet objet, on ne le trouve pas du tout, on peut utiliser notre imagination en faisant semblant, comme si on avait une corde. Alors, le jeu, il est simple. On va descendre, on va compter de 10 à 0, en sachant que pour chaque mouvement, on va avoir, pour chaque numéro, on va avoir un mouvement différent. Donc, je commencerai par numéro 10. Numéro 10, on va sauter en ayant toujours un pied devant. C'est comme on court comme un cheval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le numéro 9, ça va être un peu plus difficile car on va changer de pied. 1, 2, 3, 4, et ça, c'est jusqu'à 9. Le numéro 8, on va sauter pied joint. 1, 2, 3, 4, et ça jusqu'à 8. Après le numéro 7, il va sauter sur une seule jambe. Attention, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, on a la chance. On a le numéro 6 qui nous demande des sauts. Donc, on va mettre les d'accord sous les pieds et on va la sortir en montant bien les talons. Donc, ce mouvement, on le fait bien sûr 6 fois. Que la corde s'arrête. Numéro 5, on va sauter avec pied serré, pied écarté. 1, 2, 3, 4, 5. Après, le numéro 4, on va sauter deux fois pied gauche, deux fois pied droit. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, tout va bien, mais le numéro 3, il est un peu plus difficile car la corde, on va la passer devant nous et on va terminer 1, 2, 3. Voilà pour le numéro 3. Et numéro 2, on va avoir un pied devant l'autre. On va sauter première et on va changer pour le numéro 2. Le numéro 1, il va falloir juste sauter en avant. Hop, j'avance. Et il nous reste bien sur le 0. Là, on a un peu quelque chose de plus compliqué. Donc, on va faire Z, E, R et O. Voilà. Je vous remercie et à vous les cordes.